Bonjour et bienvenue dans Koh-Lanta, la saison 2, de l'épisode 1 de la saison 2. Donc, étant donné que Koh-Lanta a repris il y a maintenant une semaine, donc voilà. Donc c'est plutôt cool que les séries reprennent comme ça, parce que du coup, bah, ça nous permet de nous aussi nous mettre dans la saison 2 de Koh-Lanta Minecraft. Et pour cette saison 2 de Koh-Lanta Minecraft, nous avons beaucoup, enfin tous les candidats sont totalement différents. Attention, c'est parti pour la présentation des candidats. Nous avons Monsieur Jackie, sort Monsieur Jackie. Bonjour, je suis Jackie. Allez vas-y, saute Monsieur Jackie. Ouais. Voilà, donc Monsieur Jackie, le petit SDF. Nous avons ensuite Monsieur Michel. Donc son meilleur ami, voilà. Hop, donc voilà. Je t'invite à sauter. Au revoir. Voilà, nous avons ensuite Mathis. Salam alaikum les copains. Allez Mathis, je t'invite à sauter. Nous avons ensuite Jean-Louis Lara. Non, c'est quoi, c'est Jean. Jean-Rémi, allez Jean-Rémi, tu peux sauter. Oui. Voilà, et nous avons ensuite Jean-Louis la racaille. Et nous avons la Julia. Oui. Ouais, Julia. À chaque fois que tu fais un truc, c'est nul, Julia, arrête. Donc voilà, alors, donc avant de commencer cette émission, je vous invite à la bombarder de pouces bleus. Et si vous voulez un épisode 2 de cette série... en fait, non, faut pas aller sur l'île, il faut aller chercher vos lits d'abord, il faut aller chercher vos lits. Mais j'étais bien avec Michel, moi. Michel, mais non, faut aller chercher vos lits. Allez chercher vos lits. C'est très important pour la survie, pour la suite de votre aventure. Parce que si vous n'avez pas de lit, ça va être assez galère. Donc mettez-vous chacun sur un coffre. Et dès que vous êtes chacun sur un truc, vous allez tout simplement le casser. Voilà. Allez, mettez-vous chacun sur un truc. C'est plus fort que tout. Je vous mettrai les droits. Je vais vous mettre les droits dès que tout le monde est là. Attention, positionnez-vous tous. Moi, je me mets à côté de Jackie. Non, je vais être à côté d'Aminette. Voilà. Ok. Bon, il y en a deux qui sont dans la maison. Attention, je vous mets les droits de 3, 2, 1. On va mettre les droits à tout le monde. Donc alors, quel droit on va mettre? On va mettre ça. Mec, je suis tellement à tech que j'ai même pas cassé. Go. Je vous mets les droits, vous inquiétez pas, je les mets à tout le monde. Hop, et... Hop. Et hop, voilà, c'est bon, tout le monde a les droits normalement. Donc je vous invite maintenant à vous rendre sur l'île avec vos magnifiques lits. Allez, c'est parti. Donc vous avez en fait la couleur de votre équipe, c'est la couleur de votre lit, c'est la couleur de votre équipe. Donc vous me les présenterez rapidement juste après. Donc voilà. Donc attention, vous rendez sur l'île. Donc bien évidemment, il va y avoir deux épreuves durant cette aventure. L'épreuve de confort, puis ensuite l'épreuve d'immunité, qui nous permettra de que si vous avez gagné, bah d'être tranquille. Voilà. Montagne. Oh putain, je suis pas bien. C'est qui est le rouge? Ah mais non, mais il y a pas, non mais il y a, en fait non mais c'est pas ça. Il y a une seule équipe en fait. Ah ouais, d'accord. Ah. Ouais. Ah c'est nul. Ouais. C'est pas de par Dieu. Voilà, ça c'était le malaise. Oh. Bon bah du coup je vous laisse installer vos camps pour ce soir pour que vous soyez prêts. Et voilà. Ah je vous ai dit hein, mais vous pouvez aussi créer des alliances dès le début hein, de l'aventure. Voilà. Donc voilà, si vous le souhaitez, en tout cas. Si vous êtes nouveau les gars, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, c'est super important. On vise les 5000 likes avant minuit. On vise les 5000 likes donc, sous cette vidéo bien évidemment. Donc je sais pas si on arrivera à les atteindre, mais en tout cas on les vise. Donc voilà, alors par rapport à l'aventure, donc on va continuer un petit peu. Et aussi pour ceux qui sont dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre personnage que vous aimeriez voir le plus loin ou que pour vous ira le plus loin. Donc nous avons, je vous le répète, Jackie, nous avons Michel. Nous avons Jackie, nous avons Michel, nous avons Jean-Louis, je crois, Jean-René. Nous avons ensuite Jean-Louis de la Street, enfin je sais plus quoi. Et nous avons... Attendez, il y a Mathias aussi. Il y a Mathis plutôt, et il y a aussi Julia. Donc, si vous attends, votez pour moi, je dois tous à ta cause. Attendez, on va répéter les personnages parce que là c'est un peu galère. Nous avons Jackie, Michel, Mathis, Jean-René et Jean-Louis de la Street et Julia. Voilà. Votez pour Michel, c'est moi Michel. Donc mettez dans les commentaires qui pensez-vous qui ira le plus loin selon vous. Donc par contre faut pas regarder le présentateur, hein, faut jouer. Non, faut pas t-bag. Oui, dites-moi dans les commentaires, hein, vous pensez que c'est qui va gagner cette aventure. Et on verra bien, donc tous ceux qui trouveront la bonne réponse, hein, bah ils gagneront le petit jeu tout simplement. Voilà. Ouais, c'est option que ça. Ouais. Sinon vous pouvez appeler le numéro de. Ouais, le numéro du Père Noël. Est-ce qu'on a le droit de, comme par hasard, une personne disparaisse dans l'aventure? 6:30 pour sécher la bite du Père Noël. Est-ce que c'est grave si, comme par hasard,
une personne disparaît de l'aventure subitement. Comment ça? Ça, j'ai rien. Elle s'est fait manger par un poisson. Voilà. Normalement, non. Ouais, mais ça peut arriver discrètement, un petit homicide discret. Non, pas d'homicide, c'est très très interdit. Dono, par contre, Dono, tu as, je crois que tu as quitté la zone de... Si, si, ouais, Dono, tu as quitté la zone de... La de zone jeu. De... Ouais, de jeu, excuse-moi. Ouais. Là, t'es dans la zone de... Aussi, il y a un chemin aussi. Ouais, ouais. Les gars, sortez pas dès que vous voyez qu'il y a des chemins en bois qui mènent à quelque part, n'y allez pas parce que c'est le dehors de l'île. Donc, voilà. Regarde ce que j'ai fait, gros. Jean, j'ai une question. Ouais, ouais, c'est bien. Pour craft en mode normal. C'est bon, c'est bon. Bah, carré. Allez les gars, construisez, non, hein, parce que ce sera vos bases. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez aussi bah, voler chez les autres. Ah ouais, je suis mort. Ah par contre, voilà. Moi je vais rien mettre dans mes coffres. Ah bah ça c'est... Moi je vous dis le coffre, le meilleur coffre il est sur vous, hein, donc voilà. Amine. En tout cas les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette série vous plaira. Ah. Et puis voilà, je compte sur vous. Ça te dit, on fait... Tu vois, on fait une maison à deux comme ça. Et comme ça on met les coffres. Et aussi les gars, attendez, je vais mettre en invisible pour vous montrer ça. Hop, voilà. Il y a le coffre mystère, donc je vais le placer tout de suite. Donc il y a, bah voilà, vous allez le vous ne le saurez pas. Donc bien évidemment pour l'épisode 2, bah je changeais d'endroit vu qu'ils sauront où est-ce qu'il sera sinon, s'ils regardent la vidéo. Donc les coffres, c'est là. Donc hop, on va le placer, donc le coffre mystère, on va juste se mettre les droits. Comme ça vous allez voir en direct où est-ce qu'il sera le coffre mystère. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez qui irait le mieux comme colis d'immunité. Moi personnellement je mets ça comme colis. Mais après je mettrai peut-être un autre truc. Alors, donc le coffre mystère je vais le mettre juste là. T'as pété la table. Attendez, hop. Ah bah attends, je te la refais. Non mais y'avait un mec. Attends, je te la remets. Tac. Hop. Amine. Tout simplement, juste là. Hop, hop, et... Hop, non. Hop, et... Voilà. Le coffre mystère est très très bien caché. Mettez, les gars, mettez, tous ceux qui sont dans la vidéo, mettez une note de ce coffre mystère à la niveau cachette dans les commentaires. Ah ouais, non, attendez. Il est trouvable, on n'a pas besoin de creuser. Non, oh, il est trouvable, mais... Ah, mais est-ce qu'il est en dessous des blocs aussi? Parce que gros, soit... Vous avez le droit de miner, non, mais il est pas en dessous des blocs, mais il est plutôt vers les airs, dans les arbres, tout ça. Voilà. Je ne donnerai pas plus d'indices. En tout cas, voilà. J'ai trouvé une base. Merde. Une base? Non, mais par contre... Je fais comment pour avoir le craft normal? Donc il va bientôt être l'heure de cette magnifique épreuve de confort. Non! Si. Mamie, viens, on va faire notre maison. Attends, mais par contre là, tu vois, j'ai les crafts. Est-ce qu'on a le droit de gêner nos adversaires? Oui, vous avez le droit, mais pas de les taper. D'accord. De toute façon, on peut pas les taper, je crois. Ouais, j'ai pas mis les droits. Bon, on se retrouve pour l'épreuve de confort. Donc, comme vous voyez, il y a les bases qui s'installent petit à petit. Donc, ici, qui c'est ici, là? Juste, attendez, je vais m'enlever d'invisible. Qui c'est ici? C'est Julia. Julia. Je vais voir un petit peu les bases des autres. Hein. Ici, alors, on va chercher un petit peu les bases pour voir où est-ce que vous vous installez. La base qu'il y a là, c'est Dono. Enfin, c'est Michel qui cherche les coffres. Nous avons aussi ici... Attends, c'est qui, là? C'est qui, lui? Mathis, donc Mathis qui cherche aussi un coffre apparemment. Les gars, ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais si vous trouvez le coffre, vous n'êtes pas forcément obligé de dire hein, aux autres que vous avez, mais vous pouvez le dire. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de le dire. Et je vous rappelle que ce coffre vous permettra d'être immunisé au conseil à n'importe quel conseil. Hein, donc vous n'êtes pas obligé de l'utiliser au premier conseil. Donc regardez, je vous rappelle. T'es en vidéo là? Oui. Putain. Non, si, je l'avais compris, mais j'ai cherché en vidéo. En pause, mec, j'étais en mode d'accord. Je suis morte en vidéo. Et je croyais qu'il parlait tout seul. Mais sans amis. Après, moi je dis ça, j'ai rien. Tinder, t'es un peu sans amis quand même. Ah. Mais Tinder, c'est sur l'île, c'est pas sur une autre. Oh, ma sens. Non, non, c'est sur la bonne île. Tuner, il a dit faut regarder vers le sol. Ouais, c'est vers le sol. Je suis un génie quelquefois, moi. Tuner. Ouais. Le regarde. Bah, c'est lui qui a le coffre, hein, mais... Ok. Oh, il a trouvé le coffre. Jette-moi le coffre.
Félicitations Mathis pour avoir trouvé ce premier collier d'humilité. Donc bah bien joué à lui. Tous ceux, qui sont dans la vidéo les gars, spammez tous GG à Mathis. Donc alors le collier d'humilité pour ceux qui ne savent pas, c'est un comment ça s'appelle, les têtes d'Under Dragon. Donc voilà. Bon bah on se retrouve tout de suite pour l'épreuve de confort. Re tout le monde, donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour l'épreuve de confort. Donc l'épreuve de confort elle va consister en un parcours. Donc je vais vous montrer un petit peu le parcours à quoi il ressemble. Donc c'est à peu près le même parcours que la saison 1. Donc il y a quand même des épreuves qui ont été rajoutées, vous inquiétez pas. Mais celle-ci n'est pas nouvelle. Mais voilà. Donc le gagnant arrivera ici. Il n'y aura... Bah attendez, on va mettre un petit feu d'artifice pour dire que le gagnant est là. Tac. Bah c'est pas ça. Hop. Mettre un petit peu tard. Ça. Voilà. Donc on va mettre la récompense du gagnant. Et bah moi je pense que nous avons une belle récompense que l'on peut donner au gagnant. C'est tout simplement une potion. En fait on va pas dire. Je vais pas dire de quelle sera la potion parce que voilà. Donc attention les gars, est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Allez attention. Non, descendez, c'est de la triche ça, descendez. Attendez, je suis en train de miner. Oh. Allez, 3. Non, descendez, mettez-vous tous. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est le bordel. N'importe quoi. Allez, vous êtes prêts? 3. 2. Non, vous avez pas le droit de vous mettre là. Allez, 3. 2, 1, go. C'est parti pour la première épreuve. L'épreuve de confort, attention. Nous avons bah, tout simplement Jackie et Michel qui sont en tête. On dit merci qui. Attention, merci, il y a Michel qui prend un petit avance. Jackie juste derrière, attention. Alors, Michel vient de louper. Mais c'est pas grave, attention. Michel est en tête, non c'est Jackie. Jackie ou Michel, attention. Oula. Michel avance. Jackie ne fait aucun fail. Jackie lui reste plus qu'un jump. Et c'est la victoire de Jackie. Mais c'est incroyable en 20 secondes. Non. Allez. C'est incroyable. Félicitations à Jackie les gars, ceux qui sont dans les commentaires, mettez félicitations Jackie. GG Jackie. Bah bravo. Bon bah vous pouvez quand même finir le jump pour l'honneur. Nous avons ensuite bah, Michel qui est en deuxième position. Non, arrête, ça se fait pas, ça c'est de l'anti-jeu, c'est de l'anti-jeu, ça se fait pas. Nous avons ensuite bah, Mathis plutôt. Fais gaffe, non, arrête. Arrête de non. Michel, donc voilà. Oh, il me reste un demi-cœur. Nous avons ensuite Jean-Louis du 13, attention. Voilà. Qui arrivera en quatrième position. Nous avons ensuite bah, Juju qui suit. En cinquième position et puis en dernier nous avons la monsieur de la cité, je sais pas trop quoi. Voilà. Donc félicitations à toi Jackie pour cette première victoire. Alors un petit mot sur cette victoire Jackie. Merci, ça fait plaisir. Et bah... Amine, tiens, mine. Et bah comme mot cacahuète. D'accord. Bon bah cacahuète. Et je te signale juste un truc Jackie, c'est que bah ton bonus tu pourras l'utiliser pendant bah tes pendant tes bah t'es les autres comment ça s'appelle ça les autres parcours pendant en fait à chaque épreuve tu pourras utiliser à tout moment ce bonus là. Voilà. Mais Jackie c'est quoi? Ah, il est pas obligé de le dire, c'est juste une potion mais je dirais pas de quoi. Voilà. Donc je vais vous TP les gars et puis bah je vous laisse retourner sur l'île. Donc vous êtes simplement à suivre bah, le bois. Et rebonjour, donc bah, nous sommes aujourd'hui au jour de bah, de Koh-Lanta. Nous sommes au deuxième jour. Donc est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est en forme? Très bien Jamy. D'accord, bah c'est très bien. Et moi je suis pas Jamy, je suis Denis. Denis Brognard. Bazardé. Ah, c'était obligé. Et juste pour dire, en fait, pourquoi il y a des personnes qui vivent dans ma maison? Bah parce que vous avez peut-être fait une alliance ou je sais pas. Mais j'avoue mec, t'es là, tu nous as dit, on fait une alliance. Attends, c'est qui parle? C'est le skin... Donc nous avons ici... Les mecs, Jean-Louis la racaille, je vais vous donner des livraisons, venez. Des livraisons, ouais, mais t'as cru que c'était Chronopost ou quoi toi? Les mecs, venez, je vais vous donner des trucs. Nous avons donc notre gagnant de l'épreuve de confort qui est en train d'améliorer sa maison, salut. Bonsoir. Amine, viens, je t'ai voilà, ça c'est pour Jean-Louis la racaille. Après, je vais attendre Amine. C'est le matin. Tu es tôt ce matin. C'est le bon matin pour toi. Amine, tiens, regarde. Il est tout simplement en train de creuser, de chercher un petit peu de bois. C'est très très cool. On va chercher qu'est-ce qui se passe bah, chez ces foufous qui cruit toute la journée là, notamment Mathis. Oula, Amine, oula. Ah oui, d'accord.
Ils sont déjà pas mal, ok d'accord. Oh mais t'inquiète pas, c'est moi qui donne tout hein. Ah d'accord, donc ici c'est, en fait ici c'est une alliance de 3 contre... Donc ici c'est une alliance de 3 personnes, c'est ça? Ouais. Voilà. D'accord. Donc bah je vous conseille hein, les 3 autres de vous mettre en alliance, hein, ça pourrait être pas mal. Qui veut faire alliance avec les 3? Dono, je t'ai vu hein, je sais que c'est toi, casse-toi. Moi je dis, je vous donne juste un petit conseil, ah, Jackie, Michel et Julian, je vous conseillerais de vous mettre en alliance, sinon vous allez simplement vous faire allumer, donc voilà. Non. Eliane, tu veux te mettre en alliance avec celui qui est tout seul là, bah tu peux venir avec nous hein. Non, mais à vous de voir hein, si vous voulez, si vous voulez on peut faire équipe rouge contre équipe jaune, non. Mais j'avoue mec, vas-y, au pire c'est mieux de faire qu'une équipe, tu vois, tu mets 3v3, c'est mieux. D'accord, bon bah c'est bon bah au final bah on a changé les règles de ce Koh-Lanta en plein épisode. Donc je vais vous donner vos couleurs, donc attention. Nous avons, attention, Matus, Aminem et Mafia. Vous êtes donc en alliance, je vais vous donner... Non, attends, pars-toi s'il te plaît. Nous on est les jaunes. Donc vous êtes les jaunes. Non, sors, prends pas le jaune, à moins que tu sois jaune. Bon quoi. Donnez-vous-en si vous n'avez pas eu. Tenez les gars. Et puis je vais vous TP. Nous avons Olive, Dono et Juju. Vous êtes donc dans l'équipe rouge. Ouais mais pas sûr. Et tu nerfs, j'ai rien eu. Tiens Mathis, le skin fondateur là, celui qui est avec moi, le skin fondateur vient. Bah si t'as rien eu, c'est qu'il y a quelqu'un qui en a eu deux. Bien, skin fondateur, on va te donner les couleurs. Tiens. Voilà, donc les gars, pour ceux qui ont retenu par rapport au prénom, tous ceux qui trouveront les bons prénoms, etc., etc., je vous mettrai un petit cœur. Donc dites-moi les gars, qui sont les 3 personnes qui sont en équipe rouge et les 3 personnes qui sont en équipe jaune. Et les premières personnes qui répondent, et bah il y aura un tirage sort de 10 000 euros comme dans le vrai Koh-Lanta, voilà. Et oui, bah en plus c'est ça, c'est ça les questions, c'est genre, quels sont les aventuriers de l'équipe rouge? Répondez 1 ou 2 par SMS en envoyant au 7-13-13. Appel non surtaxé, juste 80 euros. C'est 73 euros la minute. Voilà. Tu veux perdre ton argent, vas-y, paye. Non, je rigole. Non, mais quand même, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires qui sont les 3 aventuriers côté rouge et 3 aventuriers côté jaune. Je vous mettrai un petit cœur pour ceux qui trouvent. Voilà. Bon, on va se retrouver quand même pour cette épreuve d'immunité, excusez-moi, voilà. Étant donné qu'il est maintenant midi, il est midi à peu près, donc on se retrouve tout de suite pour cette épreuve d'immunité. Bon, on se retrouve pour l'épreuve d'immunité, donc voici cette épreuve, je vais simplement vous la présenter. Donc nous avons les deux équipes qui seront équipées donc d'un arc chacun avec un stack de flèches. Je vous TP, donc prenez tous une flèche et un arc de votre... Enfin, un stack de flèches et un stack d'arc dans votre équipe, les gars, enfin dans votre équipe, hein, tu vois, ce serait mieux. Donc voilà. Tout le monde est équipé, allez équipez-vous tous d'un arc et des flèches plutôt. Donc, et puis ensuite que vous soyez équipé, vous allez tout simplement rentrer par le petit trou que j'ai fait. Ah, t'aimes bien faire des petits trous. J'adore les trous. Tu surkiffes ça. Allez, on est deux, il y en a deux, on est trois maintenant. Allez. Mais il est où ton petit trou? Il est là. Mec. Mais c'est pas moi, je ne vois pas où il est ton petit trou. Venez là, regardez-moi, il est là le trou. Bah voilà, je suis tombé. Bon, bougez pas, hop. Oh, un petit trou. J'ai reculé comme un bon. Et voilà, donc voilà, vous vous retrouvez au trou. Donc, non. C'est une équipe par personne, une équipe chacune. Ok bon les gars, alors personnellement bon. Les mecs, tout d'abord, il va y avoir attendez, c'est une équipe chacune, c'est pas une personne chacune comme avant c'était une personne chacune, maintenant c'est une équipe par personne, une équipe voilà. Les gars, moi je propose de passer en dernier. Tuner, il faut que je te dise un truc en secret. Oui. Mais il faut pas que la vidéo l'entende. Ok. Re tout le monde, donc du coup on arrive pour l'épreuve d'immunité, donc ça, elle va opposer les rouges contre les jaunes, donc nous allons tout d'abord appeler l'équipe rouge. Allez go les gars. Allez l'équipe rouge, donc voilà, donc c'est bon, allez chacun dans un trou, voilà, c'est bon. Et l'équipe jaune, bon bah non vous n'êtes pas rentré, sortez, hop, voilà. Bon, je vais donner un top chrono, donc commencez pas à tirer. Vous aurez donc 30 secondes pour tirer et on comptera le nombre de flèches. Donc attendez, ça commence pas. On voit bien qu'ils sont déjà tous prêts.
On voit bien qu'ils sont déjà tous prêts, je vais juste me mettre les droits de truc, voilà. Attention, what? La racaille, non, ça va mieux, non. Ça va mieux, t'as quitté la bon, attendez, on fait une coupure là. 3, 2, 1. Oh, re tout le monde, donc du coup, on arrive sur l'épreuve. Attendez, par contre, comment ça se fait-il qu'il y ait un truc ici là qui est bugué? Ok, bon, on va refermer. Voilà. Donc ce que l'on va faire, c'est que bah, on va lancer tout simplement le chronomètre. Je vais regarder bien si toutes les plaques sont bien allumées, c'est bon. Donc attention, vous avez 30 secondes à partir de 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 5, 6. Allez, bombardez, il reste 10 secondes, bombardez. Attention, attention, bientôt stop. 4, 3, 2, 1, 0. Ah, stop, elle compte pas, il y en a une qui compte pas, Gros, j'ai tiré au moment où tu l'as dit, mais la oui, non, mais il y a un décalage, il y en a juste une qui compte pas, donc alors attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc nous avons donc 21 moins 1, donc ça fait 20, 20 cibles touchées sur je ne sais pas combien. Donc bien joué à vous. Donc, il y en a deux, il y en a une en voilà, voilà, donc 20 cibles touchées, donc je vous invite maintenant à partir, donc bien joué à vous. Et maintenant nous avons l'équipe jaune qui va rentrer chacun votre tour, donc voilà. Donc 20 flèches, donc hop, j'arrête le chronomètre. Et est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Allez, 3, 2, 1, go. Donc c'est parti pour l'équipe rouge, donc bah voilà, ils ont maintenant 30 secondes. Donc il faut qu'ils battent tout simplement le record de 20. Et il leur reste maintenant 15 secondes, 14, 13. Alors il leur reste 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oui, on a gagné. Une flèche ne compte pas, une flèche ne compte pas. Donc attention, nous avons combien maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y en a trop. 14 moins 1. 14 moins 1. Non, parce que là, il vient m'en tirer 2 après et il les a tirés quand tu regardais pas. Oh, le tricheur. Bon, donc ça fait 14 flèches moins... moins 3, donc ça fait 11 flèches apparemment. Donc bon bah voilà, c'est une victoire pour l'instant de l'équipe rouge, mais attention, l'épreuve n'est pas finie, parce que bah maintenant il va bien falloir avoir seulement un gagnant de l'équipe rouge, hein, voilà. Donc attendez, ressortez tous, maintenant ça va être la même épreuve, sauf que maintenant ça va être chacun votre tour qui vont passer, donc sortez tous les gens, sortez tous. Tu peux nous TP? Je vais vous TP, donc attendez, je vais faire une petite coupure. Re tout le monde, donc du coup maintenant on se retrouve, donc maintenant ça va être chacune des personnes qui ont gagné qui vont faire 20 secondes de tir. Donc Donna, est-ce que tu es prêt? Ouais. Allez, 3, 2, 1, let's go. Mec, non. Oui. T'as vu. 3. T'es hyper nul. Très nul. Trop nul. Stop! Elle comptera pas si tu tires encore une, non? Ok, donc nous avons 1, 2, 3, 4. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 flèches touchées. Donc bien joué à toi en 20 secondes. Donc c'est parfait. Enfin, c'est bien, voilà. Donc maintenant, tu peux sortir de nos. Et nous faisons place à Olive, non, alias Jackie. Mon donc arc, attention, Jackie, est-ce que tu es prêt? On a pris mon arc! Vraiment mon arc! Taisez-vous, les gars. Jackie, tu es prêt? Merci, Jamy. Ok, bon bah 3, 2, 1, go. T'es nul. Handicapé. Tu la merde. Oh là là, comment t'es nul. Oh purée. Oh là là. Putain, j'ai tiré dans un bouton, t'y arrives pas quoi. Mec, sérieusement, mais t'abuses gros. Mec, j'ai juste tiré dans un bouton, t'abuses. Amine, oh, Amine, putain, la vache. Oh stop, elle contre pas sur une autre. Elle contre pas. Ok, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a égalité avec Michel. Donc Jackie et Michel sont pour l'instant à égalité. Et nous faisons place maintenant à Julie. Julia. Hop. Julia, attention. On va peut-être éteindre celle-là. Non, c'était ma flèche. Allez, 3,
Est-ce que, non, pardon, est-ce que tu es prête, Julia? Non, 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 il y a un gars qui est devant moi, là. Non, non, les balances, là, tout à l'heure, là. Ah, attention, mais Julia. Mais non, mais les gars, arrêtez. Allez, 3, 2, 1, go. Arrêtez. Eh, 1. Oh là là, t'es nul. Oh, t'es pas mieux. Oh là là, oh là là, ça tire même pas de. Mais non, mais ça, arrêtez. Mathis. Donc du coup voilà, Julia, est-ce que t'es prêt? Oui. Allez, 3, 2, 1, go. 1, 1, 2, 3. Tout ça rouge du bon. 4. Oh, elle est lancée. 4. 5. 6. Bien joué, Julia. Attends, je vais faire un. Et stop. Oh, elle comptera pas la dernière, donc ça fait combien de flèches? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 flèches, 8 flèches, donc bah, donc 8 moins 1, ça fait 7, donc bah Julia a gagné tout simplement l'épreuve d'immunité, et qu'est-ce que ça veut dire que tu as gagné? C'est-à-dire que tu seras invincible au conseil, c'est-à-dire que bah, personne ne pourra voter pour toi au conseil, par contre toi dégage parce que c'est pas toi qui a gagné, c'est Julia, donc voilà, GG à toi Julia, mettez tous les commentaires, GG Julia, bah, pour ta victoire. Oh bah à la première épreuve d'immunité, et bah voilà, GG, bah à toi. Et maintenant on se retrouve tout de suite sur l'île. Re tout le monde, donc du coup voilà, on se retrouve, donc bah rangez vos arcs, tout oh, ça, vos flèches. Maintenant. Et bah, voilà, donc voilà, GG a vu à Julia. Ouais. Merci. Et mon arc aussi? Non, non, mais tu peux les garder si tu veux. Alors moi, je garde tes flèches et ton marque, hein, c'est bon, si vous voulez. Donc voilà, bon bah attendez, je serai les droits que vous aimez. Ouais, je vais juste regarder si vous avez les droits pour les animaux. Oui, 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 oui. Ok. Donc pour l'instant, tout a l'air d'être bon. Donc je vous rappelle que ce soir, ce sera le conseil. Donc je vous rappelle que ce soir, c'est le conseil. Donc c'est-à-dire que conseil, il va falloir éliminer quelqu'un à part Julia et bah sinon tout le monde est touché. À part mais non, si mais non, gros, Mathis mais aussi, le conseil, il est par équipe. Je sais que mais non. Le conseil c'est par équipe. Non, bah, on peut pas non, le faire par équipe. Nous voici donc aujourd'hui pour le conseil, donc le fameux conseil de Koh-Lanta. Mmh. Donc ça va être le premier conseil de cette série en tout cas. Donc c'est pour ça qu'il est tout de même assez important de, bah, de voir un petit peu comment mafia on va se dissoudre les équipes. Mafia. Donc mafia. Du coup, eh bien, bah, je vous invite à venir avec, enfin une personne à la fois à venir vers moi. C'est moi. Donc alors première personne, attention, chut, taisez-vous. Bon monsieur, alors dites-moi contre qui allez-vous voter? Jackie. D'accord, ok. Mafia. Premier vote. Pas tout notre groupe aussi. D'accord, ok. Donc nous avons un vote, ok. Alors venez, une autre personne peut venir. Amine, vas-y. Non, Jackie. Allez, vas-y, viens. Hé, hey, les mecs, mon tu équipe. Votes contre Jackie, qui contre Jackie, mon équipe, contre Jackie. Mafia. T'inquiète. Et pour quelle raison? Ah bah parce que le petit arrangement de la team, voilà. D'accord, ok. Bon bah merci. Bah tu peux retourner t'asseoir. Allez, une prochaine personne peut venir. Oh Amine, il est mort. Bonjour, contre qui allez-vous voter? Jackie. Et pour quelle raison? Mais il m'a tué. Bah parce qu'il fait plein de choses mal. Ok, bon bah vous pouvez aller, au revoir. J'ai mal à la tuer. Bon, j'y vais. Allez, une première personne pour partir. Contre qui vous votez? Alors contre Mafia Itzebus. D'accord, allez, vous pouvez. Et pour quelle raison aussi? Oui, je vais te dire. Parce que c'est Mafia Itzebus. Ok, au revoir. Allez, prochaine personne pour aller. Non, mais Twinner, t'es Amine, parce qu'il est mort. Bonjour, pour. Au secours. Vous allez voter contre qui vous? Mafia Itzebus. Et pour quelle raison? Parce que j'ai décidé avec mon équipe que je n'ai aucun respect. D'accord, ok, bon, vous pouvez y aller. Rapide. Bon, allez, maintenant, il faut une prochaine personne et évitez de me brûler aussi. Heureux, donc maintenant, vous avez la dernière personne qui a voté. Attention, vas-y, venez, venez. Amine, moi, j'ai pas voté. Il manque plus qu'une personne à venir voter. Va voter, vas-y, Amine, va voter. Oui, mais je suis en train de brûler, en fait. Mais dégage, c'est ici pour voter, Amine. Bon, contre qui allez-vous voter aujourd'hui? Bah, je vais voter contre Jackie. Et pour quelle raison?
Parce qu'il pue de la bouche et il est moche. On dirait que je peux prendre la personne. D'accord, ok. Bon. Putain, c'est le quartet du what the fuck de l'histoire de la planète. Bon, bon, vous pouvez tous aller vous retourner, vous asseoir maintenant. Oh bah, bah alors je vais vous expliquer que... Et on va passer... Et on va passer tout de suite bah au vote, hein, voilà. Donc est-ce que vous êtes tous prêts? Non, non, vous devez tous aller vous asseoir. Non, moi je suis un chat perché. Non, on va s'en tromper. Retournons donc du coup, bah voilà, tous les votes sont ici, donc allez vous asseoir dans les fauteuils s'il vous plaît. Allez vous asseoir, donc ok. Alors, on va tout de suite bah, dérouiller bah, le conseil. Donc alors, premier vote. Jackie. Ouais. Non. Deuxième, deuxième vote. Mafia Xbus. Troisième vote. Jackie. Ouais. Non. Allez Jackie. Quatrième vote. Dégage. Mafia Xbus. Cinquième vote. Jackie. Ah. Sixième vote. Mafia Xbus. Bon. Donc ça va se finir en tirage au sort. Non, c'est moi qui dis non. Je refuse. Je ne veux pas finir une vidéo comme ça. Jackie, est-ce que je peux donner ça? Michel, Michel, viens là. Non, je vous explique, non, non, je vous explique en quoi ça va je vous explique en quoi ça va. Non, non. Il fallait l'utiliser avant, sa merde. Attends, il fallait l'utiliser avant, il fallait l'utiliser au début. Là. Attends, Michel, si je meurs, prends ça. Attendez, je vous explique, je vous explique qu'est-ce qui va se passer. Donc je vous explique qu'est-ce qui va se passer. Attendez les gars, attendez s'il vous plaît, taisez-vous. Bon, ça va faire Jackie contre Mafia Xbox. Donc chacun votre tour, vous allez appuyer et c'est la première personne qui va obtenir un noir. Ok. Allez Jackie. Blanc. Mafia, ton tour. Non Mafia, pas toi. Blanc. Oh. Oh. Jackie. Jackie. Blanc, 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 blanc. Mafia. Il a déjà fait. Non, non, bah oui, mais il a déjà refait. À ton tour, Mafia. Attends. Attention. Oui, tu dois appuyer. Blanc. Blanc. Oui, blanc. À ton tour. Oh non, mais c'est pas possible. Blanc. Mais non, mais what? Mais il y a... Ah. Mais ah, si, encore des noirs pourtant. Vas-y, ok, prochain. Non mais Mafia. Non mais regarde. Mafia, ton tour. Blanc. Mais attendez. Blanc, oh mais non mais vous êtes des bâtards. Vous enlevez les noirs. Vous non, enlevez les noirs quand on fait. Tiens, il y a le noir, il y a le noir. Ah, t'as eu le noir. Il y a le noir. Non mais les gars, mais si vous trichez, ça va pas. C'est quoi? Non, non, on va le refaire. J'ai vu, vous enlevez les trucs au moment et tout. J'ai vu. Non, on va le refaire, Donc retourne, donc voilà c'est bon, donc le conseil, enfin le tout est fait. Donc allez-y chacun votre tour faire. Donc maintenant non, il n'y a plus de problème. Attention, numéro 1. Qu'est-ce que tu as eu? Le noir. Mais attends. Il faut que tu passes et si t'as un blanc, il sera éliminé. Attends, c'est pas encore fini. Si t'as un noir par contre ça continuera à jouer. Vas-y. Je crois même pas. Et voilà. Blanc. Voilà. Oui. Jackie, c'est Jackie est éliminé. Attends, Jackie, il faut ta torche. Il faut que dire un dernier mot les gars. Jackie est éliminé. Alors j'ai passé une bonne aventure. Mais non mais c'est pas toi qui est éliminé, pourquoi tu parles? Alors que t'as tous crevé pour tous. Les gars, ça va être le dernier mot. Taisez-vous s'il vous plaît, respectez le dernier mot. Alors, s'en fout, toi. Allez Jackie, t'étais attends. Nul ouais. Jackie, regarde, je te laisse dire le dernier mot, Jackie. Attends, j'ai juste un truc pour donner. Ouais, oui. Là. Il va dans le trou de la mort. Dans le trou de l'MDF. Oui. Ah oui, c'était le bonus qu'il avait, c'était le bonus d'immunité qu'il a donné à Dono. Voilà. Moi, en dernier mot, je dirais on dit merci qui. Oh non. Merci Jackie Michel. Non. Ciao. Comme dernier mot. Cacahuète. Ok. Alors, bon bah merci. Merci beaucoup pour ta participation en tout cas, Jackie. Donc mettez tous un commentaire maintenant avec le mot Jackie donc dans les commentaires bah pour attrister la pour fêter. Non mais son non départ. Mais
pour la tristation du départ de Jackie, c'est assez triste, donc voilà. Bonne continuation à toi, Jackie. Un like, un soutien. Un like, un Jackie content. Bah oui, et sur ce, bah je vous dis bah à la semaine prochaine pour la suite de Koh-Lanta. Tu n'y as pas.